Yo! Donc yo. On se retrouve pour une nouvelle partie encore avec Atusus qui est ici. De Terraria. Et je sais pas si dans l'épisode précédent on avait dit ce qu'on allait faire. Pour toi et moi. Donc que toi t'es tireur et que moi je suis magicien. Ah oui, ça on l'avait dit, oui. On l'a dit. Donc bah voilà. J'ai changé d'armure. Hop. Je vais retirer ça pour montrer. Qui donne plus de mana et plus de dégâts magiques. En coup critique et réduit l'utilisation du mana, et j'ai filé mon ancienne armure et ce magnifique chapeau à Céus, ainsi qu'un petit shotgun que vous venez de voir vite fait. On a pas mal de choses à faire. Déjà, on a un peu pété du boss que vous avez vu tout à l'heure. On a un petit compartiment en bas, mais on le verra plus tard. Ça sert à rien. C'est en travaux. C'est ça, c'est des travaux. On leur montre le petit tunnel que j'ai fait aussi. Oui, pourquoi pas. Ouais, voilà. Ça va faire une méga chute de l'infini. Donc. J'ai fait ceci pendant mon temps libre. Donc c'est parti pour une chute de 20 minutes. À peu près. Je sais plus, on l'avait chronométré la dernière fois, je crois que c'était 19 minutes 47. Et je sais même pas d'où venait l'eau la dernière fois, n'empêche. Parce qu'on avait de l'eau jusque là à peu près. Narnia. Entre guillemets, ouais, ouais, c'est ça, c'est téléporté la truc, c'est pas d'eau. Et donc ce tunnel nous mène jusqu'à cette petite porte, et cette petite porte nous mène à l'avant-poste que j'ai fait vite fait en enfer. Donc depuis cet avant-poste, on va pouvoir conquérir l'enfer. Voilà, par exemple, là on a les petits trous qui nous permettent de tirer. Bon, ça, ça passe pas, mais ça, ça passe. Donc voilà, ça nous permettra de looter. Il faudra qu'on refasse comme je faisais avant, c'est-à-dire que là il va y avoir un sol qui va permettre de récupérer les loots. Et ce sera bien. Et là on va avoir un boss à tuer plus tard ici. Dans cette vidéo, hop, ça sert à rien, c'est trop long. On va aller dans la corruption. Tout d'abord. Alors depuis la corruption, on va tuer le deuxième boss du jeu. Et ensuite, j'ai... Bah déjà, ne serait-ce qu'à mon armure, j'ai fait le tour de la jungle. Je ferai visiter Céus parce qu'il est jamais allé en fait. Et de là-bas, on va devoir tuer deux autres boss qui seront les mêmes, les deux mêmes. Mais ça en fait deux autres. Toi, t'es passé par ballon, c'est ça? Enfin, par parapluie. Ouais, c'est ça. Ou tu lags? Je lag peut-être. Ah, d'accord. Mais je passe par le sud. Et puis la prochaine fois, on fera le chemin de cet endroit là, que ça viendra, ça va être dur, on va galérer. Du coup déjà on est un peu plus stuffé, je vous montre un peu ce qui se passe. Alors ça permet de courir vite, ça permet de régénérer plus vite sa vie. On a plus de PNJ comme vous l'avez vu, la carte elle a pas mal été explorée. J'ai pris la dynamite. J'en ai pris aussi toi. Ton micro il a une baisse de qualité, c'est dommage. Ça doit venir de moi à cette heure-ci en plus. Ouais. J'ai toujours des problèmes de connexion en fait à cette heure-ci. Pour ceux qui ne le savent pas. Ce qui n'est pas beaucoup à vrai dire. Tout le monde sait que j'ai des problèmes de connexion. Et j'ai fait le tour de la corruption qui est juste là. Et on va trouver des orbes ici. Donc ce qu'on cherche dans cette corruption, c'est des orbes. Comment elle s'appelle au fait? La destruction. Ouais. Des orbes quoi. Des orbes ténèbres maléfiques qui sont pas belles. T'as sauté dans quel trou? Celui-là normalement. Non non. Ah non, c'est pas celui-là. Bon, pire. Je veux dire, ça se mine? Non, ça se mine pas. Donc on a nos grappins. Ça on les avait déjà avant. Mais je crois pas que je les avais montrés. Si. Donc je déteste le grappin perso. Moi j'adore. J'ai lagué. Voilà. Et je me suis pris un arbre. J'ai lagué à viser du coup. Bah c'est reparti. Moi je t'attends, écoute. Ah bah pas de problème, je me fais la route et puis. Ouah, je freeze. Casse-couille. Je vais partir depuis les cordes. Donc on s'est fait 3 cordes côte à côte, c'est pour les boss.
En fait, on les pète depuis ici. Tac. On a pété deux yeux comme l'a vu la dernière fois, je disais, et puis c'est sur ces cordes-là en fait. Ils peuvent pas nous atteindre une fois dans l'espace, on peut faire des sauts pour les esquiver tellement facilement que... Ils tournent voilà. Faudra que tu m'indiques en te mettant en dessous du trou pour que je sache quel trou c'est, parce que je me souviens plus du tout. Je mettrai des lumières à l'entrée pour... Qu'on retienne. Bah, tu me dis quand t'es au-dessus. J'ai encore masse route. Hein. Ouais, je suis en train de creuser. La corde du donjon maintenant. Voilà. C'est pas forcément plus rapide, mais je trouve ça plus fun. Donc j'ai aussi beaucoup plus de vie Cassius parce que j'ai exploré la jungle, comme j'ai dit, j'ai trouvé Mass Life Crystal et du coup je les ai sucrés, histoire de survivre. Yep. Du coup la majorité des suivants que je trouverai, je les filerai parce que moi il manque que 80 points de vie et je suis full vie. Ok, j'en ai ouvert, c'est bon. Avec l'avenir et on les pète. D'accord, t'as de quoi les péter, ça se pète plus au marteau, je crois que ça se pète à la pioche. Yep. Putain, et ça fait bien voler, hein. J'suis si, au... ça se pète au marteau, mais c'est tranquille. C'est... De toute façon, j'ai un marteau en titane, du coup. Je suis à 700 mètres, donc... Mets-toi bien en dessous du trou, histoire que... Je suis juste en dessous. D'accord. Je vais éclairer l'entrée pour qu'on sache lequel c'est. Parce que là, je viens de rentrer dans la corruption. Je lag à mort. Merde, je me suis couré. C'est là. Donc, je vais mettre... Voilà, j'ai mis masse lumière. Tire vers le ciel. T'as percé quel truc alors? Ah, celui juste en dessous. Attends deux secondes. Je change la batterie de ma souris. Je vais montrer vite fait. Ces sphères là, il en faut en casser 3 je crois. Yep. Au bout de 3 le deuxième boss arrive et dans chaque sphère il y a un objet. Il y a un loot. Alors. Ah, t'as eu un masquette. Nice. Il aussi. Enfin, à partir du moment où tempête 1, des météorites commencent à spawn de temps en temps. Ouais, et 3, enfin 2, il y en a une qui tombe, je crois. Non, c'est à une. Il y avait le message dans le chat. Ah, d'accord. Les météorites, il faudra qu'on s'en occupe plus tard. Le deuxième. Ah, oh, elle est bien celui-là d'objet. Alors, écarte-toi. Faire des sticky bombs. Tu peux le casser d'ici. Et là, voilà. Là, le boss. Donc, on va se mettre dans l'eau. C'est pas le meilleur endroit, mais. Allez. Ouah, je lag. C'est tellement pas de dégâts. Donc excusez-moi, je lag à vie. Si on fait du dégât, rien. Ouah. Donc je suis désolé mille fois, je sais même pas si du coup je vais me servir de ma vidéo ou de celle de ACS. Je regarde pas là. Je regarde pas. Ah shit. Bon, c'est pas grave. En fait, tout ce que je vois, c'est des morceaux explosés. Là. Ah. Ah, moi c'est fluide, c'est du gang. Et voilà. Donc on l'a pété en 2 secondes. Yep, par contre, t'as récupéré des Shadow Scale? Oui, oui, 5, 18. Ah, ça va, j'en ai 8. On aura de quoi faire la pioche et tout ça. Donc il a pas fait long feu. Non. J'ai masse lagué, donc je m'excuse si vous voyez que dalle, mais je vais bientôt changer de PC normalement. Un autre PC portable un peu plus puissant, ce qui me permettra de faire un peu mieux. Je répète encore quelques-uns. Tac. Vas-y, vas-y, n'hésite pas, on peut en faire facilement deux. Si tu trouves une autre sphère comme t'as eu, moi ça m'intéresse parce que comme je passe mon temps à miner. Ah!
Crystal... Enfin, Magic Mirror. Ouais. Donc la Goblin Army, c'est un événement. Qui se passe au spawn encore, je crois qu'il est toujours buggé. Je sais plus. Au pire encore jusqu'au spawn. Hein. De toute façon, on va devoir aller dans la jungle. Yep, Kugo. Courons. Donc ouais, ce sera un des derniers épisodes, je pense, qui sera fait avec cette qualité-là de merde. Parce que j'ai pas trop le choix. Après, je vais changer de PC portable d'en avoir un peu plus puissant. Donc, prions. Je passe par l'espace, moi. Moi, je cavale. C'est plutôt plat, du coup, c'est tranquille. Ouais, c'est au spawn. T'as rien sur toi, c'est ça? Non. Bien sûr, tu vois nos PNJ qui commencent à mourir, tout ça. Ah! C'est pas au spawn, en fait. Bon, puis on se téléportera, mais... C'est ça. La corruption. Oh, j'ai encore 1000 pieds à voler. Ah non, j'ai volé moins loin cette fois-ci. On s'est fait un lit aussi d'ailleurs, c'est pour ça qu'on arrive pas à notre maison. Oui, le lit permet de remodifier, comme dans Minecraft, le spawn en fait. Et du coup on a un lit dans la base qui nous permet de... Parce que je m'étais trompé en fait, je me suis trompé de table de crafting. Alors ouais, justement, je vais t'expliquer ce petit truc là. Celle dont je parlais en fait sert à crafter les accessoires, c'est ce qui est en dessous de notre armure. Tandis que l'autre en fait il faut juste du fer et des chaînes pour pouvoir la crafter. Ce qui fait que en fait on s'est entre guillemets cheaté un lit, puis après on a fait un legit. Yep, il y a une météorite ici d'ailleurs. Bon on la fera plus tard. Oui, ce qu'on a. Ah ça brûle. Il faudra que je me fasse l'armure de la météorite, je suppose. Je sais pas si elle est meilleure que celle de la jungle. Bah faudrait que je me la fasse moi parce que c'est pour les... C'est pour la magie. Non non. Si. C'est pour les munitions. Le space gun il est magique. Oui. Et ça te donne munitions illimitées pour le Space Gun. Non, le Space Gun, de base, c'est munitions illimitées. Enfin, je sais plus. Oui, mais je veux dire, ça te donne mana illimitée pour le Space Gun. Je sais plus, on verra bien. Mais c'est une armure magique, l'armure de Bidule. Les météores bolettes, par contre, que tu peux faire. On verra bien. Tu peux faire des balles en météorite, en fait. Ah, les voilà. Mais l'armure météorite, elle est magique. Donc, voilà une météorite, ce que ça donne. On va pas rester trop près parce que... Ah, je suis con. Parce qu'il y a ces petites têtes là qui vous suivent partout parce qu'elles ont la rage. Wouah, le monde. Grenade. Ah, d'accord, j'ai tout raté. Je t'attends. J'ai la texture qui saute de partout. Donc la Goblin Army, c'est tout simplement une armée de gobelins. Qui spawn à l'infini. Et qui au plus il y a de joueurs, au plus il y a de monde. Je crois que c'est 200 mobs par personne. Seulement. Ouais. Ça me paraît peu. Vas-y, on reste là. J'avance de temps en temps pour récupérer du mana. Direct.
temps, t'as un niveau overshoot. Bah, le Waterbolt, c'est un des meilleurs sorts du jeu, tout à l'heure. Ouais, voilà, j'ai chopé le harpon. Nice. C'est un événement de toute façon qu'on doit faire pour débloquer un personnage intéressant. T'as pas eu deux balles comme celle que t'as derrière toi, du coup, je disais? Non, j'en ai eu qu'une, mais je la donnerai. Oh, donc, ça tire de partout. La balle qu'il a derrière lui, ça lui permet d'illuminer la zone sans lampe. Hein. C'est léger, elle est mais. Pas ouf, mais elle reste fun. Qui restera bien à choper, c'est un truc qu'on chope dans le. Non. Je suis là. Ouais, le Wisp. Le Wisp, ouais. Oh, qu'est-ce qu'on a touché. Allez. Ça nettoie, hein. Plutôt, oui. Comme ça, ça traverse les cibles. Ouh, je lag. Bizarre que ce soit que 200 par personne. Ou 300, je sais plus. Je sais qu'il y a un quota par personne. Ah. Et du coup, voilà, c'est nettoyé. Voilà. C'est un événement ouf. Fun. Mais pas ouf. Mais les autres armées sont. Les autres armes. Et plus intense. Oui, donc c'est coupé. C'est... Il a dit que les autres armées étaient plus intenses. C'est des événements qui ont été créés par exemple pour Halloween et tout ça. C'est là ceux-là que tu veux parler? Non, je parle de l'armée de pirates et de. Ah, de mais Noël. Ça servent à rien aussi. Ouais, mais elles sont plus et intenses. Noël, c'est un événement. Tu parles bien des vagues. Non, pas des vagues. Ah, enfin, les trucs de vagues, au pire, c'est mieux. Tu parles des bonhommes de neige, hein. Oui, les trucs de vagues sont... Par contre, ton micro, il arrête pas de couper. Certainement Mako qui est en train de mourir. Ou la mienne, je sais pas. Ouais, ou la tienne. On est des professionnels. Voilà. On est bientôt arrivé dans la jungle. Alors, par contre, c'est un labyrinthe. Hein. Ouais, la jungle, quoi. Donc, j'ai fait un chemin à la va-vite, faudrait que je regarde ma carte de temps en temps. Parce que je l'ai masse exploré. Et du coup, on a deux boss à faire dans la jungle pour le moment. Ce qui est pas ouf avec la lumière qui me suit, c'est qu'en fait, elle est très lente. Elle est très lente et elle se téléporte quand on est trop loin. Ici. Bon, à partir de là, c'est dangereux. Fais attention à pas trop prendre de dégâts. Par la droite. Tu t'avances bien vite, toi. Ouais, la jungle. T'es sûr de toi? Ouais. Oups. Tac.
Donc c'est ici que j'avais arrêté mon pris mon enregistrement la dernière fois. Voilà. Pareil. Hop. Hop. Par ici. Ouais. C'est un labyrinthe. Hein. Mais vraiment, quand je dis labyrinthe, c'est labyrinthe pur. Voilà. Je pense que c'est par là. Je crois. Ouais. Faut regarder la carte quoi. Par contre ici, ouais, c'est par là. Attends, je regarde vite fait la carte pour être sûr. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est par là. Continue, tu vas voir des trous. Aïe. T'arrives à clean. Ouais, tranquille. Par là, ouais. Fais gaffe ta vie, soigne-toi. Je suis encore en CD. Ah bah, patient pour te soigner alors. C'est quoi ça? Une chauve-souris, c'est pour ça que je t'ai dit patienter pour te soigner. Voilà. Reste là, un petit peu. Allez. Tac. Par là. Let's go. Par ici. Ici. Là. Et enfin là. Et voilà ce que j'ai trouvé la dernière fois. Donc ça c'est un. Ah oui c'est vrai, de toute façon il meurt avec ses coups de pioche. Donc c'est une. Oh oh. C'est sûr que ça a l'air. Donc faut casser le truc là-bas et puis il y a lui qui pop. Tellement pas préparé d'arène. C'est ça. L'avantage c'est que ça donne de la régène le miel. Enfin, j'ai oublié qu'il était si fort. Il me faut le mana. Ça, ça se tombe. Ouais, ouais. J'aurais du mana. Et... voilà. Et mort. Et du coup... alors, tout à l'heure, tu m'enverras l'objet histoire que je te le montre. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un harpon, il fait ça. Ah, on a eu ça. Le big gun. Nickel. Bah c'est de la magie ça. Oui, okay. C'est pour ça que je te le donne. Donc moi je te donne ton arme en plus, l'harpon. Il est pas top. Ouais. Le big gun il est pas top top mais ça reste fun. Il est marrant donc ah prends ça. 42 mana en plus. C'est quoi ça? Ah oh, nickel. Bah t'aurais pu me le dire que t'avais ça. Bah j'ai un peu de regarder. Ah. Je vais enlever les trucs qui permettent de s'accrocher au mur. Donc voilà le big gun. Il tire des abeilles qui ricochent de tous les côtés. Et je crois qu'elle s'acharne sur un ennemi, non? Non, je sais pas. C'est un autre, oui. Ouais, bah c'est pas mal. Et du coup, voilà, on en a un autre, mais faudrait que je regarde. Alors attends, faut que je mette la carte. Alors faut qu'on remonte. Alors va falloir qu'on remonte par les trous d'où on vient. Ouais. Donc j'arrive. Tac. Et je pense qu'il faut aller à gauche. À droite. Ah attends, je regarde ici. Ouais, tu remontes encore et tu vas à droite. Ok, d'accord, je vois. Tu vois? Merde. Aïe. Vous voyez, j'ai pas mal exploré la jungle. Aïe. J'ai passé un peu de temps dedans.
Ok, ça je gère. Ouais, la magie c'est efficace. Alors, M. Non, à droite. Yep, je suis juste descendu là parce que j'étais en train de me faire gangbang, ça. 40 mobs. Tac. Tac. Et du coup, là on devrait voir la ruche. J'ai pas cassé tous les coffres. Je les ai ouverts. Très bien. Ah. Ça me paraît bizarre. Non, c'est encore plus bas. Je suis tellement d'ail, voilà. Ah, bon bah. Je vais montrer où est la ruche. Ouais. On va pousser dans la lave. Ah. Comme ça. Ah, je suis mort. Non, c'est bon. Je vais montrer sur la carte où est la ruche. Ouais, vas-y. Parce que je comptais pas y aller, c'était trop loin du coup. Enfin, c'était plus si loin. Mais tant pis. Il y avait une autre ruche en fait. On était là. Vous voyez ici. Et il suffit, j'essaie de suivre ce chemin là. Il y avait un coffre ici. Je sais pas si j'y suis allé, je crois. Descendre ici. Et là, il y avait la ruche. Donc, dans l'idée, vous avez vu le boss. Voilà, vous avez vu le boss. À peu près, je suis désolé pour la qualité encore une fois. Hein. Mais il était là-bas. Je vais, comme je disais, d'ici peu changer de PC normalement. Si tout se passe bien, je vais en prendre un peu mieux. Mais là, rien que là, je lag donc. J'ai un PC de merde. Et on va s'arrêter là, je pense. C'était juste pour montrer ça, là va vite. Donc voilà ce qu'on va farmer. Vous avez vu la jungle, vous avez vu le nouveau boss. Et la prochaine fois, ce sera le donjon, je suppose. Ah, t'as pris des grenades. C'est les binades. Voilà, ça explose et ça tire plein d'abeilles qui sont à tête chercheuse sur les ennemis, elles, par contre. Donc on va s'arrêter là. Ciao à tous, à la prochaine et portez-vous bien. Salut. Oui. Tu dis pas au revoir? Si, j'ai dit au revoir. Ah, ça a coupé, donc redis au revoir. J'ai dit ciao ciao. Ciao ciao, voilà. Bye bye. Bye bye.